Rêver du noir en islam, interprétation, signification et symbolisme. La couleur noire occupe une place à la fois mystérieuse et importante dans la tradition onirique islamique. Bien qu'associée à des notions comme le deuil ou la tristesse dans certaines lectures, la couleur noire recèle des significations plus complexes et nuancées. Cet article explore la symbolique du noir dans les rêves en islam, propose des interprétations selon différents contextes, et souligne son importance dans la vie spirituelle. Symbolisme du noir en islam. Dans l'islam, la couleur noire est souvent liée à des dimensions positives et spirituelles. La Kaaba, le lieu le plus saint de l'islam situé à la Mecque, est recouverte d'un tissu noir, la kiswa. Ce vêtement symbolise à la fois la protection divine et la grandeur du Créateur. Pureté et prestige, historiquement, le noir était la couleur du manteau du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Cela conférait au noir un statut de prestige, d'élégance et de pureté. Mystère et majesté, le noir est également lié au mystère de la création et à la majesté divine. Il reflète une profondeur spirituelle et invite à se tourner vers l'intériorité et la transcendance. Interprétation des rêves impliquant le noir. Rêver de la couleur noire peut avoir plusieurs significations en fonction des éléments spécifiques du rêve et du contexte. Épreuve ou obstacle, le noir peut symboliser une difficulté passagère, une épreuve surmontée ou à venir. Il représente alors un défi spirituel, incitant à la résilience et à l'introspection. Secret ou révélation, le noir peut aussi faire référence à une zone d'ombre dans la vie du rêveur, un secret à découvrir ou une vérité cachée qui se révélera. Deuil ou tristesse, dans certains contextes, le noir peut incarner un état de mélancolie, de deuil ou de regret suite à une perte ou une déception. Richesse et pouvoir. Traditionnellement, le noir en islam est aussi associé à la prospérité, à la richesse et parfois, au pouvoir. Exemple de rêve avec du noir et interprétation possible. Rêver d'un ciel noir, voir un ciel d'un noir profond peut représenter un poids psychologique, des angoisses ou une période d'incertitude quant à l'avenir. Rêver d'un vêtement noir, porter un vêtement noir peut suggérer une recherche de reconnaissance, un désir d'être pris au sérieux, ou un besoin de se protéger des énergies négatives. Rêver d'une maison noire, une maison noire dans un rêve peut évoquer le mystère, une part de la personnalité du rêveur encore inexplorée, ou éventuellement, des secrets de famille. Rêver d'une écriture noire. Voir du texte écrit en noir peut signifier une information importante, un avertissement ou un message que le rêveur cherche à déchiffrer. L'importance des détails et du contexte. Il est important de noter que dans l'islam, l'interprétation des rêves est une science nuancée, basée sur le contexte spécifique et la vie du rêveur. Les symboles n'ont pas de sens univoque et immuable. Il est donc crucial de considérer la symbolique du noir dans l'islam, mais aussi l'ensemble des éléments du rêve, les émotions ressenties et les associations mentales propres au rêveur. Conclusion. Plus qu'une simple couleur, le noir dans la tradition onirique islamique recèle des significations riches et profondes. Rêver du noir implique de s'interroger sur les zones d'ombre et de lumière de sa propre existence, de chercher la guidance spirituelle et d'explorer la complexité de l'âme humaine. Si vous souhaitez approfondir la signification de vos rêves, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne pour bénéficier de conseils réguliers.